Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et aujourd'hui nous allons réaliser une recette. Les gnocchis au brocoli et à la crème de parmesan. Pour cela nous aurons besoin des gnocchis ou des gnocchis. Nous aurons besoin des brocolis. Nous aurons besoin des lardons. Voilà, j'ai pris des lardons de volaille. Et ensuite, nous aurons besoin de parmesan. Un peu de parmesan, de l'ail, et puis de la crème. Dans un premier temps, nous allons former des petits bouquets de brocoli, puis laver. Et voilà, une fois les brocolis, petites fleurs, petits bouquets, nous allons laver. Puis plonger dans de l'eau bouillante. Pendant 5 minutes. Voilà nos brocolis déjà cuits, c'est-à-dire pas trop dur, pas trop mou. Voilà, c'est cool. Ensuite, dans notre casserole, nous allons mettre un peu d'huile d'olive. Puis, nous allons mettre de l'ail coupé en petits petits. Ajouter de la crème. Je précise là, c'est des lardons de poulet. Ensuite, ajouter de la crème. Ajouter du parmesan
Elle est bien crémeuse. Petite sauce. Salé, poivré, un peu de muscade. Et ça passe. Voilà, notre sauce est prête. Nous allons cuire des brocolis. Nous allons cuire des gnocchis. Des gnocchis. Dans de l'eau bouillante, légèrement salée, nous allons ajouter des gnocchis. Laisser cuire pendant 4-5 minutes. Remuer. Alors, bon, 5 à 10 minutes, puis égoutter. Ajouter directement dans notre sauce. Et remuer. Miam miam. Je vais rajouter les brocolis. Et voilà. Bien mélangé. Servi chaud. C'est bon. Allez, à table. Et voilà, notre repas est réalisé. Franchement, il est bon. Ça sent super bon. N'hésitez pas de le réaliser aussi. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire, me dire comment vous l'avez trouvé, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.